Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, du coup, c'est vrai que je vous ai pas fait trop de story, je viens de m'en rendre compte aujourd'hui parce que j'ai vraiment profité des enfants au maximum. Je les ai emmenés jouer, ensuite bah, le tunnel du soir, les mamans, vous connaissez. J'arrive, je fais à manger, je les mets au bain, je joue avec eux, je m'occupe d'eux. Et là, je les ai mis au lit et j'ai mangé avec eux. Du coup, je me motive, je vais aller à la salle. J'ai envie d'aller à la salle, de faire une heure et demie, 2 heures, je vais voir, de sport. Voilà, ça va me faire du bien. Donc je me motive. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, enfin une bonne fin de journée pour ceux qui sont en France, une bonne soirée pour ceux qui sont à Dubaï. Et voilà, je vais me motiver. Bon, ma fille, elle est trop sympa. Elle m'a dit, mais maman, tu vas pas sortir comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu vas pas sortir comme ça avec ta tête, avec tes cheveux en pétard. C'est ça que tu m'as dit. Mais j'ai fait mes cheveux comme ça parce que je vais faire mes soins. Et en plus, je vais essayer d'aller chez le coiffeur là tout de suite. Donc voilà. Et je suis pas du coup encore maquillée. Donc je vais Mais faire. tu peux quand même te coiffer bien. La vérité sort de la bouche des enfants, je suis mal. J'avoue que là, j'ai un peu abusé, mais je vais aller me coiffer. Promis. Je vais faire mes petits soins du visage pin-up et je vais vous donner un code. Vous avez une offre pour le printemps. Vous avez moins 40% sur le site et vous avez les toutes nouvelles boîtes aussi de coffrets pour la crème sans huile. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, ce que moi je fais au quotidien. Hyper important, voilà, le savon masque au lait de chèvre, la crème hydratante derrière, je vous montre tout ça. Dans un premier temps, vous faites le savon masque au lait de chèvre. Alors celui-là, c'est en simple nettoyage matin et soir, ou alors en masque 2 fois par semaine, et il enlève absolument tous les boutons d'acné, les problèmes de peau comme psoriasis, eczéma, les taches que vous pouvez avoir. Là, c'est encore un peu sensible, donc je fais doucement. Les taches brunes, les taches blanches, les cicatrices, etc. Ça enlève tout et vous avez des résultats sous 10 jours. C'est 100% naturel et artisanal, à base de lait de chèvre, d'huile d'aroaté, d'extrait de sauge. Donc vous laissez poser 3 à 15 minutes et vous rincez. Voilà, il faut vraiment que ce soit tout blanc et c'est pour le visage et le corps. Et si jamais vos enfants, moi c'est vrai que ils ont tendance à avoir de l'eczéma, surtout Luna, je lui mets sur le corps et ça part et ça atténue au fil du temps. Ouh, je suis le fantôme! T'as peur? Non. Donc une fois que vous avez rincé, vous mettez une crème, pas n'importe laquelle, soit la crème précieuse si vous avez tendance à avoir beaucoup d'imperfections, de boutons, etc. Sinon, moi je mets la crème sans huile, celle-ci si vous avez la peau grasse par exemple, elle est parfaite. Sinon, c'est vraiment pour tout type de peau. Et moi j'aime bien parce que justement, elle a une texture légère, non grasse, donc elle ne va pas coller. Je peux maquiller derrière, donc elle va hydrater et en même temps, pareil, elle va venir à bout des imperfections au quotidien pour avoir une jolie peau. Donc ça, c'est à mettre matin et soir. Et encore une fois, que des produits naturels, artisanaux. Donc je vous laisse le petit code de moins 40% si vous voulez tester. Et là, je suis ni maquillée, j'ai pas de filtre, etc. Donc oui, j'ai les cernes. Là, j'ai encore les petites cicatrices, mais si vous vous souvenez, ça en fait, c'était un bouton. Je n'ai jamais eu de bouton de magie. Ça, c'est un bouton de moustique que j'ai gratté il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait carrément un trou dans la peau et maintenant ça fait ça. Mais en fait, c'était très violet, donc ça s'atténue là avec les crèmes justement. Je suis là, moi, il y a un mourir, il veut sortir. Donc voilà.
Au quotidien, ça enlève toutes les imperfections. Fait le toutou. Ça. Ils adorent regarder ça, les vidéos de chats et tout. C'est Billy, non, c'est pas Billy, il est un peu plus gros lui. Oui. Oui, là c'est Billy, t'as raison. Là c'est Billy. Là ça va faire. C'est une chèvre. Ouais. Moi. Tu as fait un bisou à Billy, mon amour. Tu dis sticker? Sticker. Comment tu dis? Doudou. Tu vas mettre les stickers sur Doudou? J'adore partager avec mon frère. T'es gentil, mon cœur. Trop mignonne. Il faut allumer la brosse à dents. Allume. Maman, elle va faire. Donnez-moi. Maman, elle fait mon bébé. C'est très important. Il faut toujours bien laver les dents. Hein. Allez, maman. Que maman elle se prépare, ils sont tranquilles. C'est quoi que tu manges, Vittorio? Concombre. Luna. Luna aussi. Tu veux croquer, vas-y. Avant, on a commencé. Bon voilà, on est parti au supermarché à côté de la maison, là où on va d'habitude après l'école. Et qu'est-ce qu'il y a de toi aussi, tu manges? On est venu manger, on a trop faim. Et on est venu. Donc ce matin, on est allé à la maison pour prendre les clés. Ça y est, on a les clés de la nouvelle maison. On y sera officiellement le 4 avril. Mais là, j'ai pris les mesures pour les murs, parce que je vais faire le papier peint pour Luna, pour Vittorio. Je vais faire des choses un peu sur mesure. Je vais vous montrer des trucs d'activité, etc. pour eux. Ça va être trop cool. Le jardin, j'ai vu le jardinier pour mettre... les fleurs, les faux gazon et tout et tout. Donc voilà, dès que tout ça c'est fait, je vous montrerai un petit peu plus. Le rooftop, pareil, je vais faire un truc incroyable parce qu'il est énorme et vu en plein sur le Burj Khalifa, donc trop bien. Donc voilà, on va faire tout ça petit à petit, mais en tout cas, j'ai les clés, je suis contente. Qu'elle me raconte? Moi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ouais, j'ai rendez-vous. Mais pour qui tu te prends? Tu as 6 ans. Non, j'ai une femme. Dis à ta sœur. J'ai une femme. Il est beau alors, je peux pas vous montrer. Et qu'est-ce qu'elle raconte ta sœur? C'est maman qui va chez le coiffeur. Non, c'est moi. C'est moi qui va chez le coiffeur. Je sais pas faire moi. 6 ans, je dirais elle a 20 ans. Je dois aller chez le coiffeur, mais ils viennent avec moi tous les deux. Hein. Je peux pas, jamais je peux les laisser, jamais. Mais j'aime trop, je fais tout avec eux. Mais je peux rien faire sans eux. Toujours avec maman. C'est trop cool, hein. Un vrai petit garçon maintenant quand il marche. With my best hairdresser. So more than hairdresser now, my friend. I swear to God, I love you. On est arrivé à l'anniversaire. Mon amour. Vittorio, il a regardé, il a dit waouh. Il est comme un fou. Ça te plaît? On va mettre le maillot, tu viens? Oh, regarde, il y a un spectacle. Alors, tu vas aller où? On va où? On va où, mon amour? Luna, elle est déjà partie dans les jeux, là. Va dans celui-là, toi. Tu vas là? C'est trop ici. Tu vas aller dans celui-là? Vittorio! J'ai pas pris mon maillot, je savais pas. C'est que pour les enfants. Il est trop content, mon amour!
elle est avec ses copines, je sais pas où elle est. Mais c'est bien surveillé ici. Oh punaise, ça y est, c'est mouillé. Il est comme un fou mon bébé, il est trop content. Bon, on revient de l'anniversaire, c'était trop cool. Et en fait, à chaque anniversaire, il y a des petits sacs comme ça. Et là, ils ont eu des ballons. Donc là, on est en train de faire... On a fait une fleur. Eh, c'est beau quand même, hein? C'est moi, j'ai bien fait. Merci. De rien, ma vie. Chaud. C'est chaud, oui. Ah. Maman, Dan, tu veux quoi? Tomate ou pâte? Ah. Dis à maman. Bon. C'est quoi, ça? Maman. Tomate? Oui. Maman, elle va souffler? Biba. Des pâtes? Non. Pas trop chaud, ça va? Waouh, Luna, elle fait le spectacle de ballon. C'est les pieuvres? Waouh.